Allez, on va s'aligner pour le run. C'est magnifique ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pour le run ? Ouais, exactement. Oui, tout à fait. Allez-y. Ok. Bonjour. Merci. Pour le run, c'est par là ? Ouais, faut que tu te perds par là, je pense. Ouais, d'accord. Ok, ça marche, merci. Bonjour ! Vous êtes inscrit pour... Oui, je suis inscrit pour le run, ouais. Franck, ouais, je me vois là. Voilà. Merci beaucoup. Bon parcours. Merci. Pardon. Satisfait de l'acquisition ? Ouais. Ouais, super, je suis content. Très bien, franchement, je l'apporte. Ça va ? Ouais, enchanté, bonjour. Moments later. C'est parti pour le run. On sent que c'est un run qui est bien organisé parce que on passe dans le centre de Bléré et ça roule normalement. On n'est pas à l'arrêt, on n'est pas obligé de changer de rapport tout le temps. C'est un run qui a bien été préparé.
Je la connais cette moto. Cette moto, elle était chez Mike. Non? Tu l'as acheté où? Ah, il y a eu la même à vendre, à jouer les tours, chez Mike American Bike. Ok. Ouais, c'est un modèle assez rare, ça. Hein. Ouais, c'est 2003. D'accord, centième, bah oui. Mais on vend rien, j'ai acheté que le bidon comme ça. D'accord. À part ça, là, il y a le bordel. C'est cool, hein. Ouais, c'était sympa, hein. Ah, petit bout de chou. Bon, ça va, ils ont dû bien gérer le parking parce qu'on est presque arrivé et ça roule. Merci les gars, super. Franchement, ils nous applaudissent, c'est nous qui devrions les applaudir. Merci les gars, super. Les United Riders et Harley 37 qui nous ont permis de faire ce run. Et en plus, ils nous applaudissent. Incroyable. Ah, il y a du monde là-bas. Oh là là, il y a du monde. Ouais, faut faire doucement sur le bruit quand même parce que ça chauffe un peu ces mécaniques. Merci, c'est gentil. Depuis le début, c'est pas mal. C'est vrai, depuis le début. Ouais. Bah, super. Bonjour. Tu es abonné à ta chaîne. Putain, rien que pour cette corvette-là, je suis content d'être venu. Alors là, j'ai horreur de ce genre de bécane, mais celle-là, elle est vraiment impressionnante. Bon, c'est pas une bécane, hein, on est d'accord, c'est un trike, mais il est impressionnant, la taille. Je sais pas du tout comment ça se passe au niveau contrôle technique pour ce genre de véhicule. Oh, une ourale. Ah non, c'est une mèche. À prendre, c'est normal. Non, il y a oui, effectivement, une grosse oxydation.
une adhésion et un forfait. Bon, ça, il suffit d'aller sur Internet et sur le Facebook de Tour du Rhum et sur le site de Tour du Rhum pour trouver les tarifs. Donc, ça arrive facilement. Et on a fait pour faire des condensés au mois de septembre. C'est ça qu'on reconnaît un motard heureux. Là, il y a un road glide ultra. Ah, il y en a deux même. Celui-là qui est pas mal, j'adore la finition. Avec les petits logos Harley en nid d'abeille, là, ça c'est vraiment magnifique. Il n'y en a pas eu beaucoup des comme ça. Et puis là-bas, on a une ultra et je pense que c'est une anniversaire. Ouais, c'est un 103, énorme. Putain, la couleur incroyable. La poursuite quand même, c'est vraiment une belle moto. J'ai un super souvenir de cette moto. Je vous remets la vidéo là-haut de mon essai de cette moto que j'avais adoré. Alors là les gars, pépite. C'est pas une Harley, mais là elle est incroyable celle-là. Là, je te mets la vue comme si tu pilotais en fait l'engin. Regarde là. Quand t'es là-dessus, t'es sur un vaisseau amiral quoi. Alors là, c'est incroyable parce que mon premier tour de deux roues, je l'ai fait là-dessus. Exactement sur cette mobilette là. Et j'ai eu un 3008 comme celui-là que j'avais retapé avec mon papa. Et puis après, ça a été ça, MBK 51. Celle-ci, elle est un peu trafiquée, mais la 51 Red que j'avais conduite, c'était celle-là. Voilà, ça pour finir sur ça. Chopper sur un moteur de Panhead. Je sais pas si c'est un origine ou si c'est une réplique, mais incroyable. Et le bagueur de Louis. Et là, il y a des belles motos. Moi, je craque un peu pour le chopper là. Franchement, celui-là, il est magnifique. Vous en gagnez pas le pisson.
Bravo Mike. Et le troisième, c'est tout. Bah. Voilà, mesdames, messieurs, je vous demande une ovation pour Christophe Fallet, plus fort, plus fort. Voilà pour son Best of Show 2024 à l'occasion de ce Festival American Festival, Touraine Festival. Bravo, reste là, puisque maintenant, mesdames, messieurs. Le temps de recevoir ton prix, superbe, regarde le disque avec le. Voilà, magnifique. Encore une fois, une création. Voilà. Il va plus avoir de place, super pour ce track avec, voilà. Bravo, Hugo. Anto, pour toute ton équipe. Encore. Je voudrais encore vous remercier que vous êtes venu nous voir à ce beau festival. Et je voudrais savoir si. Est-ce que vous voulez avoir une deuxième édition, oui ou non? Et ben voilà, donc on reviendra l'année prochaine sans problème. C'est la fin de ce rassemblement. Voilà, bah pour moi, c'est une réussite totale ce festival. On a hâte de revenir l'année prochaine. Vous avez entendu, c'est acté. L'année prochaine, ils seront là. Et je serai là aussi, c'est sûr. Bon retour. Ciao, à bientôt. Alors on va finir sur cette magnifique Jeep qui est totalement dans l'esprit de ce rassemblement. Avec un gros moment fort, la deuxième place au showbike du bagueur de Louis. Alors on est content parce qu'il le mérite ce bagueur. Il va me rester à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao.